Et Carl Zuckery est en train de dire de travailler plus intelligent et moins fort. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est retourné le dos à au Chosen One, Sean Adams. Chose complètement pas intelligente. Cher papa, tu ne marches pas par la manière tu parles. Oh, et le Chosen One qui passe par-dessus Carl Zuckery. Ça va dans les cordes. Une corde à linge basse. Le Dad is Bod, Carl Zuckery qui prend le contrôle court dans ce combat. Souplesse verticale. Oh, le Chosen One qui est en douleur. Un, deux. Compte de deux seulement. Oh, Chosen One roule à l'extérieur. Sean Adams, qu'on n'a pas vu beaucoup ici à la BCW, sa quatrième apparition, on l'a vu dans justement le combat droit du tournoi. Où est-ce que dans le tournoi, il a affronté Jake Taylor, a gagné contre, mais a perdu contre l'adorable Steve Ace. Et en ce moment, quelque chose qui n'est pas adorable, c'est les claques et les atémis que les deux hommes sont en train de se donner en échange. Oh, oh! Rentrez au poste! Chosen One retoque! On comprend pourquoi qu'il est Chosen One. Oh, et Sean... Oh, une première dans le poteau! Carl Zuckery est à terre! Et le Dad Bod est en trouble. Et le Chosen One qui nous laisse à savoir qu'il est effectivement le choisi. Et Sean est en train de lever Carl Zuckery. Oh! Et un Atemi qui rentre de toute force. Il renvoie Zuckery dans l'arène. Et maintenant, combat de première ronde pour le tournoi de l'Acier qui va culminer au mois de juin. Alors, c'est un gros tournoi qui va pour plusieurs spectacles. Hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Oh! Carl Zuckery n'a pas apprécié voir la de Sean Adams de près. Et les fans ont été très vocales ce soir. Plusieurs fans qui envoient leurs commentaires aux lutteurs. Sean Adams n'est pas affecté par cela. Sean Adams en a vu des vertes et des pommures. Et Sean qui est en train d'étrangler avec la corde. Zuckery est dans une mauvaise position. Et c'est Sean qui est en train de retorquer à l'arbitre qui est là jusqu'au compte de 5. Distrait arbitre pour qu'ils peuvent étrangler Carl Zuckery. L'intelligence de ring commence à savoir du trait à l'arbitre. Très important. Carl Zuckery manque d'air, manque d'énergie. Le Chosen One qui est en train de choisir la voie du futur peut-être. Et Carl Zuckery est vraiment dans une mauvaise position. Et un coup à l'abdomen. Oh, coup solide. Sean qui se propage, se prépare. Oh, la corde à linge. Et il place Carl Zuckery. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Stunner avec la corde! Quelle ingéniosité du Chosen One. Oh, oh! Et on se moque des fans avec la casquette à l'envers. Par contre, la casquette est en vente à la table de marchandises de la BCW. Allez vous la procurer dès aujourd'hui. Et descente du coude. Compte de deux. Couvert nonchalant du Chosen One. Peut-être vendre un peu trop la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et une prise de tête à Carl Zuckery. Sean qui met tout son poids sur les épaules de Carl Zuckery. Stratégie intelligente. Ça va être intéressant, deux personnes qui ont le même gabarit. Par contre, Sean, tout jeune, tout nouveau, si on veut. Carl Zuckery, comme il dit souvent, « Je suis trop vieux pour ça! » Carl Zuckery, une couple d'années d'expérience. Spinebuster, l'épine dorsale sur le tapis. Compte de deux. Sean Adams, un peu frustré. Puis à l'arbitre, c'est un compte de trois. Et plusieurs lutteurs n'apprécient guère les comptes des arbitres ici à la BCW. Et Sean positionne, prend son temps à réaliser qu'est-ce qu'il va faire. Soulève le Dad Bod. Oh! Carl Zuckery sur des jambes de spaghetti. A pas beaucoup de ballon dans les cordes.
Esquive, passe par partout. Oh! Sean Adams à terre, les deux hommes au tapis. Oh, il casse la queue, cassette, de sauter sur ses pieds. Manque un peu d'extérité. Qu'est-ce qui se passe? On prend la corde. Et voilà! On travaille plus engagement et moins fort. Oh! Et frappe! Et on frappe! Le Chuck and Jive for the Chosen One! On pourrait être dans les vieux! Est-ce que c'est ça, travailler plus intelligemment et moins fort? Oh, et les deux hommes sont sonnés! Oh, corde à linge esquivée! Sur la deuxième corde! Oh! Il n'y a pas eu toute la corde à linge, mais il y en a eu assez! Un, deux! Dégagement du Chosen One! Chosen One! Lutteur deuxième génération avec Black Jack Adams et résilient comme son père. Mais là, ce bat contre un père, alors voyons voir quelle porte va gagner. Et Carl Zachary qui reprend son souffle comme tout bon père doit faire. Oh! Descend du coude dans le haut du dos. Et encore une fois dans la nuque. Et Carl Zachary qui est en train de manquer de gaz. Oh! Prend contrôle de la main. Oh! Quel kick à la figure! Et Carl Zachary, ça va pour le couvert. Un, deux. Dégagement. Et oui, on est dans la première ronde du tournoi pour le championnat de l'acier. Qui sera le tout premier champion de l'acier? Tout ça va se culminer sur plusieurs combats. Deux combats de première ronde ce soir. Prochain combat va être le King Roy Brad Alexis contre Headbanger Matt Knox. Alors, deux combats ce gala-ci. Et le gala, le 7 avril, va avoir d'autres combats de première ronde. Et ici, à la BCW, on a des tournois, car nos fans adorent ça et la BCW est dans la business de faire plaisir à leurs gens. Mais Sean Adams qui met Kyle Zachary sur la deuxième corde et ça, ça fait pas plaisir. Oh, Sean se lance. Oh! Et le Dad Bod qui est dans une mauvaise situation. Oh! Sean Adams qui essaie de mettre Kyle Zachary. Oh! Kyle Zachary passe par-dessus la troisième corde. Sean qui a perdu le contrôle. Oh! Et un coup d'épaule dans l'abdomen. Et Carl signale pour la fin. Et c'est frappé. Est-ce que Carl Zachary avance dans le tournoi? Un, deux, trois. Et le papa avance à la prochaine ronde.